Le roi Charles III a su cacher son émotion lors de son arrivée au Kenya le 30 octobre dernier. Comme le révèle le magazine Hello, celui-ci avait pourtant perdu un être cher juste avant d'atterrir sur le sol africain. Il n'a rien montré. En plein voyage d'État au Kenya, accompagné de sa femme, la reine Camilla, le roi Charles III a effectué avec enthousiasme plus de 20 déplacements, planté quelques arbres, et dîné avec de hautes personnalités du pays. Le roi d'Angleterre cachait pourtant une grande tristesse, selon Hello. Charles III a perdu son grand cousin Albemarle Bosleyon le 30 octobre 2023, alors qu'il venait d'Ar River en Afrique. Neveu de la reine-mère, Albemarle Bosleyon était âgé de 83 ans et avait été invité au couronnement de la reine dont il était donc le cousin, ainsi qu'à ses funérailles en septembre 2022. Une cérémonie privée devrait célébrer la vie de Albemarle Bosleyon dans quelques jours, mais on ne sait pas si le roi pourra y prendre part. Photo le roi Charles III. Qui sont les femmes de sa vie? Charles III. Mea culpa au Kenya ce mardi 31 octobre. Charles III a prononcé un discours très politique lors d'un dîner d'État organisé par le président kényan William Ruto, a indiqué le Figaro. Des actes de violence odieux et injustifiables ont été commis à l'encontre de Kényans alors qu'il menait une lutte douloureuse pour l'indépendance et la souveraineté. Et pour cela, il ne peut pas y avoir d'excuses, a déclaré le père du prince William, avant d'ajouter « Rien de tout cela ne peut changer le passé, mais en abordant notre histoire avec honnêteté et ouverture, nous pouvons peut-être démontrer la force de notre amitié aujourd'hui ».